cahut, je fais des folies à tour de petit train. C'est agréable. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à bord du Dôme Express. Nous vous proposons de découvrir la Bastide royale de Dôme à travers un itinéraire routier. Dôme est une ville neuve fondée en 1281 par Philippe III le Hardi. Il était à l'époque le roi de France. Nous nous trouvons sur la place de la Halle, dans le quartier de la ville haute. C'est la partie administrative de la ville, là où vivent les notables et les bourgeois. La place, fidèle à la rigueur du plan des Bastides, est parfaitement carrée. Elle fut probablement le point de départ du tracé de la ville. Nous empruntons la rue Marguerite Mazet. Marguerite Mazet est une artiste daumoise dont l'œuvre fut rapidement remarquée. Elle modelait en terre des personnages qui, de petites figurines, évoluèrent vers des œuvres plus importantes. Elle travailla par la suite le bois et l'ivoire. Batteur de monnaie. Privilège spécifique à Dôme, le droit de battre monnaie avait été octroyé par le roi de France en réponse aux difficultés de la construction de la Bastille. C'était une pièce en cuir qui n'avait cours qu'à Dôme, ce qui assurait d'ailleurs au roi de maintenir sa population dans ses murs. Elle était autrefois fermée par une herse et une porte en bois. Elle est flanquée de deux habitacles en ogive, abritant des archères placées de manière à permettre le tir croisé. La hauteur actuelle est probablement le témoin de la hauteur des fortifications.
sur la promenade des Rampes. Rempart. Le chemin de ronde se trouve. Les murs. Nous sommes sur la promenade des Remparts. Le chemin de ronde se trouve. Le mur actuel est très abaissé. Autrefois haut de plusieurs mètres, il est construit d'une manière extrêmement soignée. L'appareil est un gros moellon de calcaire, taillé et parfaitement jointoyé. Il est composé d'un mur extérieur et d'un mur intérieur espacé. Entre les deux, un remplissage de pierres et de remblais consolide l'ensemble. On peut ici apercevoir le paysage qui s'ouvre sur un territoire vallonné, formant une sorte d'amphithéâtre de verdure, très boisé, insérant le mont de Dôme dans la campagne périgourdine. D'anciens habitacles d'archers. Ils sont les témoins d'un ouvrage militaire d'envergure.